Hello la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bouillon de Saveur. Sache qu'ici, on parle de cuisine, d'astuces, de beaucoup de, bref, de tout ce qui a trait à la cuisine. Alors, aujourd'hui, je viens vous présenter une recette pas très commune, mais qui peut être une très belle alternative pour manger le tapioca. Je vous présente mon tapioca sauté. Alors, comme ingrédient pour cette recette, j'aurai besoin de l'ingrédient principal qui est le tapioca. Je vous recommande ici de privilégier le tapioca qui a les graines un peu grosses pour que ça ne devienne pas de la purée. J'aurai besoin de carottes, de poivrons, j'ai un demi-poivron rouge, de l'ail et du gingembre, du sel, du poivre. Là, j'ai les petits pois et les haricots verts qui quittent au congélateur. Là, j'aurai besoin également d'un persil, d'un demi-citron facultatif. Ici, j'ai ma sardine maison. Je vais prendre quelques morceaux. Je vous laisse d'ailleurs la recette dans le petit îlot en bas d'infos. Également, je vais utiliser mon huile pour faire revenir mes légumes. Je vais également utiliser les tomates séchées. D'ailleurs, toute la recette, je vais la mettre dans le petit i et vous la retrouverez également en barre d'informations. Donc, de manière générale, c'est ce dont je vais utiliser. Même pour aromatiser mes plats, je vais utiliser les oignons, l'oignon qui est à l'intérieur de ma marinade de tomates. Je vais d'abord commencer par découper tous ces légumes-ci et je reviens tout juste après. Donc voilà mes légumes qui sont découpés. Maintenant, je vais mettre un peu de sel dans le tapioca. Ça, c'est juste avant de mettre la poêle au feu. Je vais mettre du poivre. Je vais ajouter tous les ingrédients secs, genre l'ail, le gingembre. J'ajoute mon demi-citron. Je précise ici que le citron n'est pas obligatoire. C'est juste, c'est un choix. Et donc, je vais mettre environ 2 cuillères à soupe de mon huile. L'huile dans laquelle était marinée. Ah, je fais mariner mes tomates. Et maintenant, je vais mélanger le tout. Je vais mélanger le tout et je vais ajouter juste un peu d'eau. Juste assez d'eau pour humidifier mon tapioca. Je rappelle que si vos légumes dégagent beaucoup d'eau, vaut mieux ne pas mettre de l'eau parce que sinon après ça va devenir une pâte et c'est pas ce qu'on recherche. Donc j'en mets juste un peu et je vais continuer de tourner. Donc le tapioca va absorber la quantité d'eau que j'ai mis là. Pour le moment ça colle, mais ne vous en faites pas, je vais laisser reposer pendant que je mets mes légumes au feu. Donc dans une casserole, je vais ajouter mon huile, l'huile de mes tomates. Je vais vous mettre la recette des tomates séchées que j'ai fait dernièrement. Je vous la mets soit dans le i, soit en barre d'information. Donc, n'hésitez pas à aller regarder la recette pour voir comment j'ai fait. J'ai fait mes tomates séchées, autant pour moi. Donc, je vais utiliser les oignons qui étaient dans mon huile. Dans mes tomates en fait. C'est ça que je vais utiliser dans cette recette. Et j'ajoute un peu dans mon huile également. Je laisse revenir quelques minutes. Ensuite, j'ajoute la carotte. Je mets la carotte d'abord parce que vu que la carotte est dure,
je veux laisser un peu dans l'huile, qu'elle se ramollisse un peu avant d'ajouter les autres ingrédients qui normalement ne doivent pas être, enfin, du moins moi je préfère quand ils sont pas très cuits. J'aime quand ils gardent leur côté croquant là. Donc j'ajoute le haricot vert et les petits pois. Je fais revenir et je laisse cuire environ 1 à 2 minutes à contrôler. Bien sûr, en fonction, vous devez vous aussi en fonction de vos préférences. Si vous aimez quand c'est trop cuit, ben, faites comme vous voulez. Donc, après 2 minutes, je vais venir ajouter quelques morceaux de ma sardine maison. La sardine également, je vous laisse le lien de la recette, soit à barre d'infos, soit dans le petit i. Donc, n'hésitez pas à les regarder. Donc, j'ai également pris quelques tomates séchées que je verse dans mes légumes. Ensuite, le poivron, céleri et céleri. Je verse tout cela et je laisse encore mariner pendant environ 2 minutes. Donc, vous voyez, c'est assez sec. C'est justement ce que je voulais. Donc, voici mon tapioca. Vous voyez, j'ai essayé de le séparer. Quand vous constatez que ça fait des boules, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je vous recommande de prendre des graines, les tapioca qui ont des graines assez grosses. Là, ça va éviter que ça fasse des graines, ça fasse des boules. Ce sera beaucoup plus égrené. Donc, je vais verser mon tapioca dans mes légumes et directement, je vais tourner. Je vais tourner, mais pas pour longtemps, parce que si ça dure trop au feu, en fait, le manioc va cuire et ça va perdre la couleur jaune. Ça va devenir comme translucide. C'est pas forcément ce qu'on veut. C'est pas le résultat qu'on veut obtenir. Donc, je mélange à mes légumes juste le temps pour le tapioca de chauffer et je peux retirer quoi. Je précise ici, goûter l'assaisonnement. Si c'est pas suffisant, vous pouvez en rajouter, mais si c'est suffisant, ben vous n'en rajoutez pas. Moi personnellement, j'ai pas rajouté parce que c'était déjà suffisant ce que j'avais mis. Donc les amis, c'est un peu ça la recette. Vous voyez, c'est assez simple, ça change un peu du tapioca classique qu'on mange. Et après, on profite aussi pour manger, pour consommer les légumes. Donc, c'est une très bonne alternative. Partagez la recette à vos amis, à vos groupes, dans vos groupes, dans vos statuts WhatsApp et tout et tout. Ça me fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment. Donc, voici ma recette, mon tapioca sauté qui est prêt avec beaucoup de légumes, comme j'aime. Je vous invite à reprendre la recette et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est très simple, ça ne prend pas de temps. C'est une recette idéale pour les étudiants, pour ceux qui n'ont pas le temps de cuisiner. C'est une recette, la recette idéale. Donc les amis, je vous invite à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie chacune de mes nombreuses vidéos. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez des recettes que vous voulez que je fasse. Je prendrai du plaisir à le faire si c'est possible. Ciao!